Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Braqué par des jumelles, monsieur. Ouais, bah vous pouvez les enlever, hein, vous savez, vous on est à côté, quoi, vous avez pas besoin de voir mon pif en zoom x15. Non, mais monsieur, je vous braque. Je vous demandais de me donner du temps. Ah, puis vous faites dans l'humour aussi. Vous avez fait l'école du rire, monsieur? Non, j'ai fait rire l'école. Vous avez fait rire l'école, pas mal. Vous l'avez fait rire à Vannes, l'école? Dans la ville de Vannes? Bah ouais, non mais là je vois qu'il... Alors, il est pas allé à l'école du rire, il a fait rire l'école, donc c'est un peu différent. Parce que c'est un parcours quand même qui est assez atypique. Généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont à l'école du rire, mais en caravane. En caravane. Moi j'ai rien contre les gens du voyage, mais au contraire, c'est une blague. En car, à Vannes, la ville de Vannes. Pour faire une vanne. Bah ouais, mais bon, c'est dommage que votre quotient intellectuel soit pas assez élevé pour comprendre la blague du premier coup, quoi. Ah non, mais moi je peux pas faire rire tout le monde en même temps, hein, par contre, hein. Ouais, d'accord, ça me fait froid dans le dos. Trop fort, trop fort. Eh, ça me fait froid dans le dos, là, vous savez pas quoi répondre, hein. Allez, c'est ça. Rabattez-vous sur mon adjoint. Ils ont dit on se prépare, y a pas le feu. Johnny, hein, il peut plus allumer le feu. Ah, ça y est, les vlogs. Mais non, mais de toute façon, ça sert à rien, toute cette mascarade. Va pas y avoir d'explosion, il y aura juste besoin d'un treuil et tout va bien se passer. Non, non. Moi, je pense fort à la voiture du monsieur qui coûte quand même un bras. Yes, bonsoir. Bon. Ça va, l'élite? Non, alors je vous explique le plan. D'accord. Donc, on va tenter une manœuvre de retournement avec le pare-buffle de la voiture de police. Parce qu'on est venu chercher expressément un pare-buffle. Avec le dépanneur, on a mesuré si on utilise votre œil ou les nôtres, ça va sauter dans l'arbre. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on tape en latéral la voiture sur le côté et ensuite on la retourne avec les treuils. Voilà. Pendant ce temps-là, vous nous faites une sécurité lance à eau au cas où ça prenne, c'est ça? Ok, bah vous me dites dès que vous êtes en place, puis on démarre la manœuvre. Bon, c'est mieux que rien, mais je pense que là, il va falloir la pousser plus, non? Ouais. Bon, on m'informe qu'il faut que je la pousse encore un poil. Voilà. Là c'est bon. Et il me faut un dépanneur s'il vous plaît qui évalue la zone. Y'a pas un dépanneur qui peut venir pour évaluer et prendre les mesures? Là je pense que c'est bon. Ça va? Ça brale pas? Vous voyez rien? Bon, on va faire le tour pour prendre les mesures. Hein. Ça vous semble bon là? Ouais. Non mais si vous mettez la dépanneuse devant, qu'on met un coup de treuil. Moi ça me semble bon. Hein. Parce que... Là avec l'arbre, bon ça passe hein. Mais y'a un trou là-bas qui traverse. On voit pareil ou pas? À gauche. Non. Ah si si! Mais t'as raison! Oh y'a une vache à gauche. Elle a traversé la barrière. Genre près du. Derrière le McDo sur le parking. Y'a un truc qui broute l'herbe là. Oh, mais c'est sort d'où ça? Mais elle a traversé la barrière quand même en fait. Je me disais.
Mais non. Mais c'est quoi ça, mais... Fatigué ou quoi? Mais ça sort d'où? J'en ai aucune idée. Ouais, bon, voilà même. Mais what the fuck? Je sais pas s'il est bon le bitume, mais... Madame? Oui, madame, s'il vous plaît. Faut leur bouger d'ici. Appelez-nous une équipe veto. Demandez aux pompiers s'ils ont pas une équipe veto. Oh non. Oh là bas. Il part. Ouais. Attendez, je vais vous demander de vous écarter parce que je sais pas d'où elle vient et où elle va d'ailleurs. Il va falloir lui mettre une voiture en travers pour qu'elle s'arrête un jour. Ah mais merde non. Arrête. Arrêtez d'avancer madame. Putain, elle en a rien affiché hein. Non, on va faire les méchoux après. Ah, pauvre petit, tu vas finir en kebab. Hein. Mais non, vous inquiétez pas. Foutrec, viens ici, là, vite. Je crois que le repas est sur 4 pattes actuellement. On va se délecter, quoi. Bon, il faut faire vite, il faut apprécier ses souffrances. Hein. Je commence à avoir faim. Arrête. J'ai 12 enfants dans ma Citroën C2, tu crois qu'ils vont attendre quoi? Ils vont pas attendre que les graineries tombent du ciel. Hein. Vas-y, gourde les pattes. Ouais, on va guetter. Par contre, genre, on laisse les armes et tout. Ah, mais alors. Moi, enfin, sais... non, je veux dire, on. C'est des pare-balles. Ouais. Vous pouvez descendre. Ah, mais c'est une blague! Non, mais what the fuck! What the fuck? J'en peux plus. Je vais pas les deux temps, je fais exprès. Il est dispo, il est dispo. What? Mon dieu! On sort, c'est moi ou on sort? Pour Oscar, on est actuellement à 4000 mètres d'altitude. 4000 mètres d'altitude, vous perdez communication avec Oscar à partir de maintenant. Non mais alors ça ne m'est jamais arrivé. Alors là, faut clipper les trucs. Mais vous voyez où on est là? On vole hein. Allô. Oui. Oh là, ouais. Quelle phase, Oscar? Ouais. Je
vous faire un petit système sur un problème qu'il y a eu. On a un véhicule qui s'est fait voler pour j'ai des pieds dans l'enceinte sécurisée, avec le portail. Les portails étaient fermés selon les dires des dépanneurs, donc une personne. Fais gaffe, bloc, pour pas qu'il se barre au cas où. Ok. Pareil là, faut faire gaffe, ton son c'est suspect là, ce qui arrive pleine balle. Allez, écoute, bravo. Attends. Avance, on se retourne là. Finalement, elle est pas passée la Golf Bleu Nuit. Par contre, pour bravo, prenez avec nous le refus d'obtempérer de la Lamborghini Gallardo. Juste en face de vous, bravo. Merci. Donc véhicule suspect, de toute manière on prend tous les refus d'obtempérer au niveau de l'île puisque les individus ont pu prendre des véhicules dans les garages. Donc cependant pour Bravo qui est sur le refus d'op, pas d'ouverture de feu avant sommation. Putain, c'est... Il fait des trucs très suspects quand même. Hein. Arrêtez-vous monsieur, arrêtez-vous, on va ouvrir le feu. Monsieur, arrêtez-vous, on va ouvrir le feu sur votre véhicule, ça sert à rien. Allez, écoute. Tempo. Suivi, je vous laisse laisser partir CSI. À l'écoute CSI. Pardon Alpha. À l'écoute, bravo. Ouais, reçu, je transmets au conducteur. Tu vas te faire engueuler. Bon, du coup, pour information à toutes les unités, Jean-Michel Palais, ça a pas l'air de correspondre. Brigadier Chef Smith qui avait les noms de tous les individus, est-ce que ça figure ou pas? Ah, négatif. Non, pas du tout. À l'écoute. Il y a une patrouille qui vient de le prendre là, si elle peut le bloquer rapidos. Mettre une herse ou je ne sais quoi. Pas de rue. Oh, il t'a pris dessus. Bien de bravo, ça prend la plage et ça reprend direction aéroport de... sur la plage. Nous faut qu'on rêve. Ouais, ok, vas-y. Putain, faut le bloquer. Bloque-le, par devant. Oh, oh Rattlers, violent là. Putain. Oh la vache. Oh Rattlers, putain. Ah merde, ce soir. Parce que je l'ai pas vu au contact gauche, donc à mon avis il a tourné dans Perton. Ouais, gauche. Là, vous voyez, on recoupe. Aïe. Oh, accident. Ça valait le coup de faire les tests à l'hôpital. Bon, il s'est barré. Là-haut. Je veux dire que j'en ai vu des ambulances qui pas doué, mais comme jamais. Ah, il a oublié. On le met sur un plan dur du coup. Oui, parce qu'on lui a dit de prendre l'ambulance sans brancard, mais il a pas compris que c'était l'ambulance ou constructeur, voire s'il faut. Bon. Du coup, il a pris une ambulance sans brancard. Mon collègue, moi, il m'a dit de ramener. Bon, allez, on vous laisse en plan dur. J'ai dû prendre un véhicule sans brancard, mais j'ai pris un véhicule sans brancard. Ah, bah d'accord. Oh putain. Oh non, mais j'ai envie de me tuer là, j'en ai marre. Il me fait tirer dessus. En fait, on parle, du véhicule du constructeur Warfish. On est une demi-heure à venir. Franchement, réfléchissez par vous-même, ça sert à quoi une ambulance sans brancard? Oh, et puis là, j'ai l'arme entre le sgeg là, c'est quoi ce bazar? L'arme elle était magnifique. C'est bon, on a rien vu. Peut-être tu m'as dit de prendre le véhicule sans brancard. C'est pas grave monsieur, vous savez les pompiers ils sont moqueurs mais c'est pas grave. Même si je vois la police à l'hôpital je dirais. Petite carte de bac. Il y aura quelqu'un pour aller me chercher au niveau de l'hôpital de Johnson.
là le pompier. Mon dieu. On va mourir. On va mourir. Mais il va où? C'est quoi c'était? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cet esclave? Mais. Après, ça va être une course poursuite assez tendue. Hein. On t'a combien 303 la sienne, je crois. Et la mienne 330. Mais il fait quoi le camion? Lui, il est malade, lui. Il va nous tuer, il va nous tuer ce mec. Ouais, parce que du coup j'ai pas pris le chemin que je prendrais à l'arrivée. En Sicile. Alors pourquoi vous dites Castaglio et pas Castaglio? Les pattes de votre que la gente francese capisce bene che c'è un G. Ah, la donna non voulait rispondermi. On va continuer en français. On a perdu le dialecte sicilien. C'est pas de chance, hein. Je vais être l'un des seuls policiers qui parle italien. Ça doit être... C'est pas de chance.